Monsieur Van Zel, on est ici à Charleville-Mézières. Aujourd'hui, une bonne opposition pour Fleury, Anderlecht, le champion de Belgique. Comment tout s'est passé? Oui, c'était une bonne opposition. On a vu des buts. Après, nous, ça faisait depuis le 15 mars qu'on n'avait pas fait un match de foot. Donc, on a vu que c'était très compliqué. On est en pleine préparation. J'ai mélangé les équipes. Il y avait des petites jeunes qui arrivent de deuxième division. Il y avait des étrangères. Faut que la mayonnaise, voilà. Nous, aujourd'hui, il fallait qu'on court. C'est sûr qu'on aurait préféré ne pas perdre, mais en tout cas gagner. Mais aujourd'hui, on a vu qu'on était capable de faire des bonnes choses, mais on était capable de faire des mauvaises choses. Donc, voilà. Satisfait de l'état d'esprit des joueuses et cette envie de jouer ensemble et d'essayer de ne pas perdre. Oui, mais le championnat c'est encore loin, c'est le mois de septembre que ça commence. Oui, c'est ça. Oui, le championnat est le 5 septembre, on a à peine 15 jours de préparation. On n'a pas fait un match, on n'a pas fait de 11 contre 11. Donc, pour nous c'était, on va dire, une découverte. On a redécouvert le football après 5 mois d'arrêt. La bonne satisfaction c'est qu'il n'y a pas eu de blessés aussi. Et je remercie Anderlecht parce qu'Anderlecht, c'était un bon match de foot. Deux belles équipes avec beaucoup de respect et voilà, ça fait plaisir de retrouver le football dans ces conditions. Et pour la saison qui arrive, est-ce qu'il y a une but pour Fleury? Oui, chaque année on fait une marge de plus, on a fini sixième, donc on aimerait bien être 5-6e et faire quelque chose en Coupe de France. Voilà. Ok, merci, bonne chance. Beaucoup. Merci beaucoup.